Bonsoir Catherine et bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pascal, bonsoir Emmanuel. Oh là là, quelle chance. Je n'en Bonsoir. reviens pas encore, il faut que je me pince pour dire c'est vrai, je suis là. Je suis enfin là. Oui, bon, bah écoute, je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi et avec toi. Et puis, bah, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Bien. Écoute, je vais commencer par la santé qui est très, très, très importante, hein. Alors, je vais commencer par la tête, bien entendu. J'ai beaucoup de pertes de mémoire, un manque de concentration. Bien souvent, je ne trouve pas mes mots. Et Alors, ça désespère mon je entourage. n'écris pas aussi vite. Hein. Essaye d'aller doucement, s'il te plaît. Oui. Donc, perte de mémoire et manque de concentration. Tout à fait. C'est souvent que j'oublie les casseroles qui brûlent sur le feu, tout ça, enfin bref, les Ah clés oui, que je d'accord. perds, le téléphone que je ne trouve pas, enfin bref. D'accord. Alors, pour mes yeux, j'ai des cataractes congénitales. Alors, Emmanuel, tu ne t'inquiéterais pas, j'ai des implants dans les yeux, hein, dans chaque œil. Mais par contre, j'ai la vision de près et de loin qui baisse. Voilà, c'est si on peut améliorer, ce serait très très bien. Okay. Pour mes oreilles, Oui. mes enfants me tarabusquent parce que je dois me faire poser des prothèses. Je n'entends pas très bien. J'ai beaucoup perdu. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé en informatique, je ne sais pas si c'est le bruit des machines, mais le fait est que j'ai des problèmes. Ok. C'est bien. Alors, je descends. Mon nez. Tu vas passer par tous les Je suis sens. obligée, je suis obligée. Au mois de janvier l'an dernier, en 2020, on m'a opéré, on m'a enlevé une tache de soleil qui était précancéreuse. Voilà. Donc, comme je ne suis pas retournée à cause du Covid et tout ça, bah, j'espère que ça a été bien fait et qu'on a enlevé toute la partie qui n'était pas bonne. D'accord. Donc, sur Bon, toi, Manuel. je te ferai pas de diagnostic, hein, mais Non, non, on non. verra Non, non, mais sur elle un plan verra. énergétique et Oui, voilà. voilà. Hein. Alors, ma bouche, c'est pas sympa à dire, mais depuis très très longtemps, j'ai mauvaise haleine. Et ça me gêne. C'est Et là qu'on apprécie de derrière un écran. Hein. voilà, Non, je rigole. je ne le fais pas dire. Je sais qu'on rit bien avec toi, hein. Et en ce moment, je me fais soigner les dents parce que j'ai beaucoup de caries. Voilà. Ça, c'est pas très bien méchant. Le poignet. J'ai eu une fracture du poignet gauche et pendant un an, j'ai fait une algoneurodystrophie. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Ouais. mais j'ai eu la main de cire. Il y a quelqu'un qui a cru qu'on m'avait amputé, qu'on avait mis une main de cire. Et j'ai fait de la rééducation, mais malheureusement, je n'ai pas bien récupéré mes doigts. Tu vois, là, je fais ça, mais pas là. Alors, s'il y avait moyen de travailler là-dessus, Ok. faut toujours espérer, hein. Oui, tout est possible, hein. Donc, comme je dis, j'essaye tout, je promets rien, hein. Voilà. Ma main droite, j'ai la maladie de Dupuytren. C'est-à-dire qu'il y a des nodules qui commencent à s'installer là. Et apparemment, ce serait la main crochue après. Après, il faudrait bah, me faire opérer, mais j'ai pas envie d'en arriver là. Donc des nodules dans la paume, c'est ça? Ouais, là. Oui, j'en ai là à la paume et puis c'est en train de monter dans les deux doigts là. Ah ouais. Et après, main crochue. Oui, mais bon, j'en arriverai pas à ça. Je mourrai avant peut-être. C'est pratique pour s'accrocher aux branches, remarque. C'est ça. Alors, colonne vertébrale, des douleurs partout, hein, des douleurs partout. Je fais un petit peu d'ostéoporose et j'ai mal à mon côté droit pour la sciatique. De temps en temps, ça me fait mal. Alors, je ne descends pas trop bas parce que j'ai mon sein gauche. J'ai été Mais opérée. t'as une liste comme ça longue parce que tu me dis que tu as 8 points, mais là, Ah oui, ah bon, t'en as alors 25 excuse-moi. pour la santé, c'est ça, non? Ah ben, c'est-à-dire que j'ai eu un cancer du sein en 95. En 2005, on m'a enlevé le sein parce que j'ai récidivé. Et en 2016, j'ai eu trois nodules sur la paroi thoracique et
j'ai récidivé encore, donc, et je suis sous chimio. Alors, je voudrais que les médicaments que je prenne ne me fassent pas les effets indésirables, c'est-à-dire s'ils me provoquent de l'ostéoporose et qu'ils me provoquent également du cholestérol. Oui, c'est quel sein? C'est les deux ou Non, le sein gauche. Le sein gauche. Oui. Ok, donc tu veux savoir les effets du médicament que tu prends, c'est ça? Oui, ben c'est-à-dire que je sais, je connais les effets, mais je voudrais si on peut annuler les effets indésirables. Parce que je suis obligée, le nouveau protocole m'oblige à prendre encore 5 ans. Ça fait déjà, en mois de mai, ça fera 5 ans que je le prends, et c'est reporté au mois de mai 2026. D'accord. Voilà. J'ai également toujours une douleur ici, aux côtés du foie. On m'a passé des échographies, mais on ne trouve rien. Alors, j'espère qu'il n'y a rien, c'est tout. Mon utérus fibromateux, c'est comme si j'étais enceinte de 3 mois, parce qu'il est très gros. Et une constipation importante. Et puis aussi, le plancher pelvien, des problèmes, hein, avec hémorroïdes et tout. Donc, si je peux rectifier tout ça, puis un peu, comment dirais-je, revenir à l'âge de 20 ans. Bon, pour les jambes, je me fais. Voilà, ce sera tout pour la santé. C'est pas mal quand même. Alors, okay. Je commence à demander si mon mari peut venir assister et faire le même travail que moi. Parce que je voudrais l'aider. Parce qu'il est solitaire, peu bavard, il n'a pas d'amis. Donc, je voudrais le sortir. Moi, je suis une femme d'extérieur et lui, c'est un homme d'intérieur. Bien, ben, écoute, on verra s'il accepte de venir et s'il veut faire le travail. Hein. Voilà. Le deuxième point, c'est je souhaiterais savoir ce qui s'est produit le jour de mon accouchement, de mon premier accouchement, car ma fille a eu du... Enfin, ça a été dur, l'accouchement était très dur, elle est arrivée que 13 heures après. Et il a fallu m'endormir parce qu'elle a été sortie avec les forceps. Et après, on ne m'a rien dit, on m'a endormie. Et après, j'ai su que c'est parce que le placenta ne venait pas. Donc, ils ont été obligés de m'endormir. Et ce qui me surprend, c'est qu'on a dit à ma fille bien souvent qu'elle n'était pas la première, alors que ça faisait 10 mois que j'étais mariée, j'étais vierge, hein, donc je ne pouvais pas avoir eu d'enfant avant elle. Alors, la question que je me pose, est-ce que dans le placenta, il n'y aurait pas eu un embryon, je ne sais pas, moi, une autre poche ou... Voilà, c'est ce que je voudrais qui savoir. Qui est-ce qui a dit à ta fille qu'elle n'était pas la première ? Deux ou trois thérapeutes qui lui ont dit. Ah. Voilà. Et moi, j'ai un ami qui est magnétiseur et puis qui se sert des, comment dirais-je, des baguettes et qui m'a dit qu'il devait y avoir quelque chose. Il est sûr qu'il y avait quelque chose. Mais moi, je voudrais savoir si c'est vrai, quoi. D'accord. Voilà. Alors, toujours en restant avec ma fille, cette même enfant, hein, puisque j'en ai une deuxième, que vous verrez le 16 décembre, je n'ai aucun souvenir... De ma fille enfant. Je n'ai plus aucun souvenir, même pas du baptême alors qu'elle est baptisée. Et chose curieuse, quand je demande à ma sœur et quand je demande à mon beau-frère, eux non plus. Je ne crois pas que la vieillesse nous touche à ce point-là, à ne plus rien se rappeler. Hein. Voilà, ça c'était mon troisième point. Le quatrième, c'est pour moi que je parle, c'est parce que je ne me suis jamais sentie ancrée. Depuis que je suis petite, je crois énormément. Bien sûr, au début, c'était la Sainte Vierge, c'était tout. Bon, j'ai suffisamment entendu tout ce que tu disais sur les leurs et tout. Mais ça reste que ça a été mes premières bases. Et c'est moi qui ai fait la démarche pour aller faire la communion et tout. Ce n'est pas ma mère qui m'y a forcé. Hein. Donc, je fais un travail très important sur ma personne depuis 1984-85, puisque j'ai suivi un enseignement avec le spirituel, avec, je ne sais pas si tu connais le maître Mikhaïl Oumrama Ivanov. Oui, oui. Voilà. Mais pendant de très, très nombreuses années, j'ai suivi son enseignement. D'ailleurs, de tout cœur, je suis avec lui parce que je trouve que tout ce qu'il a dit, c'est vraiment bien. Et il ne s'est jamais prétendu comme étant un maître. Il ne l'est pas, d'ailleurs, qu'on l'appelle maître. Hein. Donc, j'ai beau avoir travaillé sur moi, sur mes mémoires cellulaires, sur le pardon...
Enfin, j'avais fait une liste importante, mais bon, je ne vais pas tout te rappeler, même sur le Merkaba. Je travaillais aussi sur le Merkaba avec Rachel Melkier. J'ai fait du Reiki, de l'EFT. Je suis toujours au même point. À un moment donné, je t'ai marqué, j'ai l'impression que je suis toujours à l'école maternelle. Mmh. Alors, je voudrais quand même avancer parce que je crois fermement tout ce que j'ai lu sur tout ce que vous dites, et sur d'autres comme Grabovoi et tout ça. J'y crois. Mais je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à dire, à rester tranquille. J'ai l'impression d'être comme une feuille que l'on ballotte au gré du vent. Alors, c'est vrai que je suis RR, puisque je suis balance ascendant Gémeaux, mais quand même. Voilà. Donc, je voudrais vraiment tout ce que l'on m'a dit, puis que je voudrais soigner avec mes mains mes amis, mon entourage, et je ne peux pas. On m'a dit que j'étais médium, et je ne vois rien. Bon, quelquefois des intuitions, mais c'est rien, c'est des peccadilles. Hein. Voilà. Donc, je voudrais vraiment développer. Je pense que si je fais bien le protocole après la séance, que j'ai bien intégré, mon Dieu, j'ai même recopié au propre. Hein. J'espère que je vais pouvoir évoluer plus vite maintenant. Oui, enfin, ne tombe pas dans le sens inverse où tu vas vouloir être parfaite et faire tout bien comme il faut et couper les cheveux en quatre parce que ce n'est pas bon non plus. Hein. Je sais bien. Voilà. D'accord. Alors, j'ai des problèmes transgénérationnels dans la famille. Ma grand-mère, ma mère, ma tante, ma fille ont perdu des bébés, soit en fausse couche, soit à la naissance. Et ça se répercute, donc, puisque ma grand-mère, donc, ça s'est répercuté même sur ma fille. Et même chez ma sœur aussi, qui a perdu beaucoup d'enfants avant de pouvoir avoir les autres. Hein, là, on a trois autres. Et j'aimerais que ça s'arrête, hein, s'il y a un travail à faire. Et si ma famille peut assister également à... On verra en fin de ta liste. Hein. On verra qui on invite. D'accord. Et mon petit-fils, il a 4 ans, c'est un génie ce petit, mais qu'est-ce qu'il est turbulent, qu'est-ce qu'il est fatigant. Je ne sais pas s'il pourrait, on pourrait un petit peu l'assagir celui-là. Et ma petite-fille de 9 ans et demi, qui jusqu'à l'âge de 7-8 ans, elle voyait encore Marie, la Vierge Marie. Et elle a même vu ma sœur, qu'elle n'a pas connue, puisque ma sœur est décédée quelques années avant sa naissance. Hein. Mmh. Et elle prétend voir sa petite sœur. Parce qu'il faut savoir que ma fille, quand elle attendait Emma, lorsqu'elle a voyagé, arrivée à je ne sais plus quel endroit, elle a été transportée d'urgence parce qu'elle perdait du sang. On a pensé qu'elle faisait une fausse couche. Et en fait... non, c'est une deuxième poche qui s'était vidée. Donc apparemment, elle aurait eu une sœur, puisque ma fille, notre petite fille, hein, ma petite fille me dit qu'elle voit sa sœur. Qu'elle voit sa sœur. Elle le dit, c'est que c'est vrai, je pense. Qu'elle appelle comment? Céline, je crois. Je sais plus. Comme tu as de nombreux points, je ne m'attarderai pas dessus. Hein, l'invitera par contre si tu veux. Hein, invite ta famille, les enfants, etc. Oui. Voilà, parce que tu as déjà beaucoup de points de santé, donc... D'accord, oui. Ouais. Oui, mais ce n'est pas grave, hein. Mais je te le dis, mais tu feras ce que si, tu voudras. Si elle te dit, elle a quel âge? Quel âge a-t-elle? Ma petite fille, elle aura 10 ans au mois de juin. Mais bon, si elle te dit ça, je pense qu'elle a raison. Hein. Bah bon. Ouais. Alors, moi, je demande si Héloïse, qui a 28 ans et qui est dans le coma, et Laurence, qui a 42 ans et qui a fait un AVC il y a 10 ans et qui n'ont fait aucun progrès, je demande si elles peuvent faire le travail aussi. Oui, bien sûr. Bah, là, on est au moment des invitations, là? Non. Ah, bah, tu nous diras tout au moment des invitations. Je vais oublier, moi. Alors, je disais aussi que j'avais un lien très étroit avec ma petite fille, hein, qui aura 10 ans cette année. Donc, bah non, ça y est, c'est là-dessus, c'est Céline. Non, ça y est, je t'en ai parlé. Alors, je te disais, ma maison est à 3 niveaux, rez-de-chaussée, étage et sous-sol. Alors, peux-tu créer une chape isolante au sous-sol pour la protéger de l'humidité qui remonte du sol et noircit les murs? Et on n'a rien pu faire. Et j'ai 1300 mètres de terrain à l'extérieur, là, et il n'y a rien qui pousse. Les arbres fruitiers, ils végètent, tout végète. Alors, j'ai pensé à des nœuds Hartmann, ou peut-être qu'ils ne sont pas au bon endroit, ou mauvaises, je ne sais pas. D'accord. Bon, j'ai le compteur Linky et puis... C'est noté. Le compteur Linky est juste à 15 mètres de chez moi parce qu'il est à l'extérieur. Hein, ainsi que la 5G qui a été installée. Voilà. Très bien.
Oui. Alors, les invitations, dis-moi. Écoute, alors je veux inviter beaucoup de monde. Hein. Enfin, pas beaucoup de monde pour travailler. Alors, s'il y a beaucoup d'amis, en fait, tu dis les amis de cœur, comme ça englobe tout ce à quoi tu y penses, Oui, tu comprends? absolument. Mes amis de Voilà, cœur on ne va pas énumérer des chapelets. et toute ma famille. Et D'accord. mes filles, mes petits-enfants, Alors, mon mari, donc mon tes deux gendre. filles, donc on dit tes deux filles, d'accord? Oui. Avec leurs enfants? Oui, tout à fait. Non, Et les il n'y a que les compagnons? deux petits, ma fille. L'autre n'a pas d'enfant. Ok. Enfants et compagnons, c'est ça? Oui, c'est son mari. Non, il y a son mari. D'accord. L'autre Ok. n'a rien. Après qui d'autre? Mon mari, alors, mes amis de cœur, donc. Ton mari, Oui, ami de cœur. oui, toute ma famille. Et dans ma famille, il y a pas mal de gens qui sont malades. Ben écoute, ils viendront s'ils Attention. veulent. Hein. Ouais, d'accord. Et puis, je voudrais inviter les belles âmes et le corsaire. Ça, c'est important. Tiens, Qui ça? un groupe qui s'appelle les belles âmes Ah. et un autre qui s'appelle le corsaire. Elles se D'accord. reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Le corsaire, d'accord. Bon, ben voilà. Voilà. C'est tout bon pour toi? Et alors pour la douche christique, hein, de toute façon, j'invite même ceux qui m'aiment, même ceux qui ne m'aiment pas, hein, qui me connaissent et qui ne D'accord. m'aiment pas, parce que ça ne leur fera que du bien. Bon, eh bien écoute, si c'est bon pour toi, je te laisse couper le son et on y va. Ok. Alors. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 312. Je te laisse augmenter. 29 700. Parfait, connecte-toi à moi et dis-moi à combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Catherine et dis-moi comment tu la vois. Elle est comme dupliquée en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs images de Catherine qui sont devant moi. Comme un peu. Donc ça apparaît, ça disparaît. Un peu comme tu sais, ce jeu, le jeu du bonneteau. C'est un peu la même chose. S'il fallait deviner où elle se trouve. Et ça va à toute vitesse. Il y a quelque chose de magnétique, d'extrêmement puissant qui vient surplomber et qui vient organiser, qui vient surplomber la scène et qui vient organiser le jeu. Et qui a pris le pas sur elle, qui la domine mentalement, émotionnellement. Il y a comme une sorte de globe autour, mais autour, il y a trois images. Ça s'est réduit à trois images maintenant. Comme s'il y D'accord. avait une sorte d'adaptation visuelle qui se fait petit à petit. De trois, ça passe en deux. Et Et quand de tu deux, parles ça de passe globe? en un maintenant. Mais c'est toujours dans cette sorte de globe. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est-à-dire qu'elle s'est comme réunifiée. Je ne sais pas si tu as déjà fait des séances chez un orthoptiste où tu vois deux points et en refaisant une focale, ça revient en un seul point. Mais là, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui fait que ces images se soient unifiées? De par sa volonté à elle, à Catherine. D'accord. C'est son soi supérieur qui a redirigé le faisceau de sa volonté et qui est venu passer par-dessus cette sorte de globe qui est venu l'influencer, le traverser, une sorte de jet puissant énergétique
qui est venu refaire une focale directe sur elle. C'est pour ça que de plusieurs images confuses, c'est passé à une seule qui est claire. Et maintenant, elle est stable. Qui est-ce qui organise ce jeu ? C'est les mantes qui sont en arrière-plan. Ah, les mantes. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont extrêmement puissantes. Une à droite, une à gauche, en arrière-plan. Ce sont elles qui organisent ce jeu de miroir et ce jeu d'image où tout est démultiplié et où tu es troublé, c'est flou. Bon, sauf que maintenant, ça s'est stabilisé. D'accord. Dans quel but elles organisent des jeux d'image et de miroir ? Pour ne pas qu'on ait accès à elle. C'est comme si elles voulaient se la garder sous leur coupe. Elles la poussent. Alors, c'est-à-dire non seulement elle crée plusieurs images, mais en plus elle la déplace, elle déplace ses énergies, mais très rapidement, dans une tentative de déplacement rapide pour que la séance ne se fasse pas. C'est ça, clairement. Bon, tu vas faire un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, que vois-tu d'autre ? Donc, maintenant que l'image s'est fixée, il y a une sorte de carcan énergétique autour d'elle, comme une sorte de sarcophage énergétique, mais qui vient en épouser les formes de son corps physique. Ces mailles viennent se resserrer et viennent brider ses propres énergies biologiques. Ça entre en compétition avec ses énergies. C'est-à-dire que pour pouvoir exister en 3D de façon équilibrée, elle doit déployer 3 à 4 fois plus d'énergie qu'elle ne le devrait. Donc ça la place en position de déperdition d'énergie et de déséquilibre. Donc il y a déperdition d'énergie pour le bon fonctionnement de ces organes c'est comme s'il y avait une sorte de dégénérescence du corps physique plus rapide que ce qu'elle ne devrait être, puisque son énergie vitale, il y en a une bonne partie qui est utilisée à se stabiliser et à se démener en quelque sorte en tous sens pour repousser cette sorte de cage qui épouse les formes de son corps. D'accord. Que vois-tu l'autre ? Il y a des sortes de bulles opaques. Déjà, il y en a une au niveau du bassin et de toute la zone du bas-ventre. Il y a une sorte de, comme une sorte d'œuf opaque, une forme ovoïde qui vient englober toute cette partie-là. Il y a une autre forme ovoïde qui vient englober toute la partie haute de la poitrine. Et encore une autre forme ovoïde, mais cette fois-ci qui est au niveau de la tête. C'est plus grand que la tête, ça vient englober toute la tête. Et comme c'est ovoïde, ça vient s'étirer par devant et le visage et s'étirer par derrière la nuque. Donc ça, c'est comme trois sortes d'œufs ou d'œufs opaques qui sont situés dans ces trois endroits-là. Dans ces trois zones-là, il y a des sortes de... les fréquences ne sont pas les mêmes. Il y a un différentiel de fréquence. Par zone ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème tout ça alors ? C'est comme si c'est à l'intérieur de ces trois formes ovoïdes, son énergie à elle était abaissée pour que puisse s'installer
l'énergie de ses mantes. D'accord. Dans son espace énergétique, il y a ces trois zones-là, ovoïdes, où elle n'a pas son mot à dire, quelque part. C'est comme, je ne sais pas, des sortes de poches fréquentielles auxquelles elle n'a pas accès. Donc, son énergie vient contourner, donc dans son espace énergétique, à l'endroit où se trouvent ces trois poches, son énergie vient contourner, mais ne traverse pas. Et sa propre énergie qui vient alimenter ces trois zones-là, c'est uniquement sur ordre, en quelque sorte, ou sur décision de ces entités, des mentes qui décident quand il y a besoin de maintenir, d'alimenter en énergie ces trois zones-là. Donc, elles ouvrent les écoutilles, en quelque sorte, pour que l'énergie traverse, mais pas trop, pour ne pas les détruire. Et clac, c'est refermé. D'accord. Lorsque tu parles de porche fréquentielle, tu penses à ces trois œufs ou tu parles d'autre chose? Non, au niveau de ces trois, quand je parle d'œufs, c'est par rapport à la forme ovoïde. Au niveau oui, de j'ai ces compris. trois zones ovoïdes. C'est ce dont tu parles quand tu parles de poche Oui, fréquentielle? c'est ça. D'accord. Ok. Alors, que vois-tu d'autre? Alors en fait c'est tout parce qu'à l'intérieur de ces poches ovoïdes, c'est complètement opaque. C'est comme si ça n'était pas elle à l'intérieur. Son énergie est minoritaire. Donc ça vient déformer tous ces circuits énergétiques à l'intérieur de sa physicalité et de son espace énergétique. C'est-à-dire qu'elle doit tenir compte de ces trois espaces-là à l'intérieur de son espace énergétique où elle n'a pas accès direct. D'accord. Alors, quand on sait que les mentes sont spécialistes dans le domaine donc de matriciel, dans le domaine mental et aussi dans le domaine génétique. Alors, Oui. au sein de sa matrice, est-ce que tu vois qu'elles ont déposé des œufs ou qu'elles ont fait des choses? Oui, longtemps, alors ce qui vient c'est trois fois longtemps et longtemps et longtemps. C'est-à-dire qu'elles ont comme usé et abusé de ce qu'elles considèrent être leur droit, puisqu'elles considèrent que elle leur appartient, tout simplement. D'accord. Est-ce que là, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, il reste des débris énergétiques comme une sorte de colle, une sorte de glue. C'est épais, c'est opaque, sombre et gluant. D'accord. Ok. Alors, au niveau mental, est-ce que tu vois qu'elles ont créé qu'elles ont fait des manipulations? Oui, au niveau de son troisième œil. Il y a comme une sorte d'écran qui est venu se placer, ou qui a été placé littéralement juste devant le troisième œil. Ça vient brouiller. Alors, il y a cet écran, et de chaque côté des tempes, il y a, on va dire, comme des sortes d'électrodes qui viennent envoyer des fréquences, qui viennent se croiser avec des couleurs et des fréquences différentes, et ça vient brouiller le système de vision, le système de perception, ça vient brouiller la mémoire, ça vient brouiller les pensées. S'il y a une sorte de flou, quelque chose de flou, ok, ça vient brouiller le mental aussi. Ok, et tu vois d'autres dispositifs dans la tête? Pinéal, par exemple, pituitaire. Alors, la pituitaire, il y a ces sortes, mais c'est relié énergétiquement aux électrodes. À droite et à gauche, ces sortes d'électrodes, oui. Ça D'accord, traverse c'est l'écran. L'écran et claque, oui, c'est ça. Et ça vient alimenter Okay. L'écran. La pinéale,
Il y a une sorte de voile autour de la pinéale, comme une sorte de sac énergétique. D'accord. Donc en fait, ils l'ont bien ficelé, quoi. Oui. Et tout le long de la colonne, il y a comme des sortes de pics tout le long de la colonne. C'est-à-dire que sur chaque vertèbre, c'est comme si chaque vertèbre était une touche, comme une touche de piano. Mais c'est piquant, c'est désagréable, c'est piquant et agressif. Et sur chaque touche, sur chaque vertèbre, il y a comme une sorte de déclencheur. Et si elle se rebelle, une ou plusieurs touches sont appuyées, comme une sorte de punition. Ça empêche toute rébellion. D'accord. Ok, autrement ça lui cause des problèmes, ces dispositifs, sans même qu'il les touche. Des douleurs, inconfort, douleur, raideur. D'accord. Vois-tu autre chose? C'est tout. Depuis quand, depuis la première fois, ces mantes sont avec elle? Regarde. Il vient sept incarnations. Cette incarnation, d'accord. Elle a eu combien d'incarnations en tout sur Terre en tant qu'humain? 12. 7 sur 12 alors, d'accord. Ça, c'est une boucle parmi d'autres ou c'est la seule boucle? Non, c'est une boucle parmi d'autres. Bien, on va aller voir la première fois comment ça s'est passé. Donc, je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Elle est dans une sorte de vaisseau qui fait des déplacements en angle droit. C'est assez bizarre. Qu'est-ce C'est qu'elle fait dans ce extrêmement vaisseau? rapide. Comment? Elle fait quoi dans ce vaisseau? Les angles droits sont pour échapper au radar. D'accord. Mais ce ne sont pas les radars humains. C'est pour échapper à... C'est-à-dire que si le vaisseau suit les boucles, si le vaisseau suit des boucles naturelles de déplacement d'énergie dans l'espace où il se trouve, il serait repéré immédiatement. Donc c'est pour couper ces boucles d'énergie en effectuant ces déplacements à angle droit ou en tout cas des angles pointus, aigus et extrêmement rapidement. Ça permet de passer au travers les mailles du filet. Ça permet d'éviter d'être repéré. Ok. Et alors, que se passe-t-il? À quel moment est-ce qu'elle rencontre ses mentes? C'est comme s'il y avait une sorte de jeu de cache-cache avec elle, mais déjà avant d'entrer dans l'espace terrestre. C'est toujours dans la matrice ou c'est en dehors de la Non, matrice? c'est en dehors. Ah, ça. C'est en dehors et c'est bien avant. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle les invasions de cricket sur les champs de récolte? Ces mantes-là, c'est de cette façon-là qu'elles procèdent, c'est-à-dire elles vont envahir un espace donné, elles prennent tout ce qu'il y a à prendre, et une fois que tout est pillé, ravagé, elles s'en vont et elles partent ailleurs. Et là, c'est en dehors de la matrice. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Catherine alors? Enfin, celle qui est Catherine aujourd'hui, dans ce Elle est vaisseau. dans une sorte, le vaisseau dans lequel elle se trouve, c'est une sorte de vaisseau de guerre qui se déplace de cette façon-là alors c'est pour contrer ou avertir, parce qu'elle n'est pas en position combat, ni en action de combat. C'est une action de surveillance
et de prévenir les mouvements de cette vague insectoïde pour prévenir avant qu'elle arrive. Et pour, si cela est possible et s'il est encore temps, la dévier, de changer de ligne de temps afin de dévier les futures vagues à venir, les futures vagues insectoïdes à venir. D'accord. Et d'où est-ce qu'elle vient alors, avec ce vaisseau? Elle se déplace rapidement. C'est comme si elle sautait au travers des soleils. Elle passe rapidement d'univers en univers. Elle a une forme, alors c'est assez bizarre, elle est à la fois de forme humanoïde et féline. C'est-à-dire que la forme générale est humanoïde, mais au niveau de la tête, il y a quelque chose de félin. L'apparence est féline, comme une sorte de, je ne sais pas, de chat ou de lion ou de panthère ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc elle vient d'un autre l'énergie, univers alors? L'énergie est à polarité masculine. Oui. Elle se déplace, ou plus exactement, il se déplace extrêmement rapidement dans une sorte de chasse, de poursuite et de contournement, mais toujours avec ses déplacements extrêmement rapide pour ne pas être repéré. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans notre univers? Pourquoi est-ce qu'elle est dans notre univers pour chasser ces vagues d'insectoïdes? Parce qu'il est extrêmement facile. Le mot qui vient, c'est de surfer d'un univers à l'autre. En suivant... C'est en lien avec le temps, c'est-à-dire que quand il y a des replis de temps, on peut facilement surfer ou sauter d'un univers à l'autre. Et c'est ce que font ces vagues insectoïdes, et c'est ce qu'elle fait, elle, dans son vaisseau. Mais avec, en ayant un temps d'avance, ou en tout cas, soit en avance, soit décalé, pour ne pas être en affrontement direct. Ça n'est pas l'objectif. L'objectif est de prévenir pour éviter et dévier. Bien, ils sont venus dans notre univers spécialement pour faire la chasse à ces insectoïdes? Ils y sont passés, oui, parce qu'elle n'est pas toute seule. C'est des sortes de vaisseaux, ce sont des sortes de vaisseaux individuels, mais ils sont plusieurs à se déplacer individuellement dans cette action de surveillance et de prévention. C'est comme une sorte de, je sais pas, de police de l'univers ou quelque chose comme ça, mais inter-univers. D'accord. Et en quoi c'est important venant de leur univers, qui n'est pas, dans le nôtre n'est pas le leur, hein? En quoi c'est important de venir dans notre univers faire la police? Ben, je ne sais pas, c'est leur rôle. C'est comme une sorte de patrouille. Les univers ne sont pas si éloignés les uns des autres. C'est comme déjà vu des feuilles dans une rame de papier. Oui, ils sont imbriqués. Oui. Oui. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que ce qui se passe dans notre univers, ça impacte le leur, c'est ça? Exact. Tout comme ils sont impactés par ce qui se passe dans les autres univers? Exact. Si, pour reprendre l'analogie avec la rame de papier, si une feuille de la rame de papier est froissée, ça vient impacter les autres feuilles. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, donc, le félinoïde, l'humanoïde? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve, on va dire, coincé dans notre matrice? Et surtout aux mains de ces insectoïdes? Parce qu'il s'y retrouvait acculé et bloqué. Un petit peu comme... je ne sais pas, c'est comme quand tu te déplaces extrêmement rapidement, mais en surveillant tes arrières, et sur un champ, on va dire, de bataille, mais que malgré tout, il y a un point aveugle non perçu. Et
elle a été repérée et bloquée avec sans position de repli possible. Donc il y a comme une sorte de fuite à toute vitesse en direction de l'espace terrestre, avec pour projet de la traverser, de traverser la matrice terrestre, mais sans s'y arrêter. Et alors, que s'est-il passé? Elle est rentrée d'un côté, mais pas ressortie de l'autre. D'accord. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée piégée comme une, on pourrait dire comme un insecte, comme une mouche dans une toile d'araignée. Et une fois bloquée là, son énergie a été repérée, c'est-à-dire que l'information est passée des vagues insectoïdes extérieures à la matrice artificielle aux insectoïdes qui, eux, sont à l'intérieur de la matrice artificielle. C'est-à-dire qu'elle a été repérée comme « occupez-vous d'elle ». D'accord. C'est-à-dire « occupez-vous d'elle » dans le sens de la désactiver pour qu'elle ne puisse pas repartir. À quel moment donc ces insectoïdes se sont présentés et l'ont pris sous leur coupe? Ça ne s'est pas fait tout de suite parce qu'il y a un décalage, il y a un décalage temporel entre l'extérieur de la matrice artificielle et l'intérieur. Et avant que ce décalage temporel, avant que l'information arrive en raison de ce décalage temporel, elle a eu une sorte de répit sur quelques incarnations. Alors, tu m'as dit qu'elle est avec eux depuis cette incarnation. Elle en a eu oui. 12 en tout dans cette boucle. Oui. Ok. Donc, elle a eu 5 incarnations. 5 incarnations sans les mentes. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé la première fois où elles se sont présentées, où elle a été interférée? Est-ce qu'il y a eu un accord ou pas? Non, elles sont venues directement dans les roues d'incarnation. Il y a eu comme une sorte de routine d'incarnation, c'est-à-dire que les vies, les premières, non interférées par ces entités-là, et était quelque chose comme terne, sans relief, avec la volonté aussi de ne pas attirer l'attention. Mais à partir du moment où l'information a été transmise, elle a été repérée immédiatement dès ce moment-là. Elle a été entourée dans une sorte de filet et comme immobilisée et dirigée dès ce moment-là, comme une sorte de filet, une sorte de contrôle mental, quelque chose comme ça, auquel elle n'a pas pu résister. C'est entre deux incarnations, ça? Oui. Que ça a eu lieu? Oui. D'accord. Ok. Bon, alors reviens ici et maintenant. Oui. Alors, vois-tu d'autres choses? Non, pour l'instant, non. Très bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle. Oui. Est-ce que tu vois une part de son ADN qui ne lui appartient pas? Oui, il y a des modifications, il y a comme des fissures dans son ADN avec des modifications qui ont été effectuées. Sur, alors il y a 8 à 9% qui ont été affectés par ces modifications. D'accord. En fait, ce sont seulement des modifications. Ils n'ont pas inclus leur propre ADN. Dans ces modifications, il y a une part de leur ADN, mais pas complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose d'intact qui vient annuler et remplacer quelque chose d'autre. Il y a comme une sorte de fusion, de tentative de fusion entre les deux. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça?
une fragilité au niveau de la jusque dans la physicalité. Bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Parfait. Alors, puisque j'ai sa permission, donc nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je vais compter à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois, jusqu'au plan archiavélique. Oui. Alors, qui vois-tu en plus de ces mantes? Donc il y a deux mantes principales qui sont affectées ou rattachées à elle. Oui. Il y a quatre, non, avec un cinquième en arrière-plan, des grilles, des petits grilles qui sont au service de ces deux-là, de ces deux mantes. Et c'est tout. Et ensuite, il y a, on va dire, des présences opportunistes, qui sont des entités de type démoniaque et qui s'approchent parce que, l'espace est, ouvert, l'espace énergétique est ouvert et en basse fréquence. Et c'est cette fragilité fréquentielle, comme un animal blessé va attirer le prédateur. C'est un peu, c'est la même chose. D'accord. Est-ce que tu vois du parasite? Non, c'est pas réellement des parasites, c'est plutôt comme des sortes de déchets énergétiques qui sont dispersés dans tout son espace. Il n'y a pas de conscience rattachée à ces débris, ces déchets énergétiques. Ok. Alors, jusqu'au plan archéologique, qui vois-tu d'autre? Il y a les entités de type démoniaque qui gèrent l'espace terrestre et qui remonte jusqu'au plan archontique. Très bien. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les lignes de temps, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis de l'espace-temps et dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïbélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie et conscience d'origine. Vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui. On la met dans une bulle cristique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Elle en aspire énergie. Donc substance et vitalité. Oui. Et elle se requinque dans la mesure du possible. Oui, c'est fait. Elle se connecte à son essence et fait descendre énergie, information, conscience, puissance, amour. Oui. Voilà, comment la vois-tu là? C'est plus clair et stable. Il n'y a plus ce brouillage, ce brouillard comme il y avait tout à l'heure. Là, c'est plus clair et stable, mais ça reste fragile. Alors, avant de refaire l'ADN à l'œuf, on va quand même éliminer ce qui est les inclusions qui ont été faites, tout ce qui n'appartient pas à son ADN. D'accord? Oui. Dans les mêmes conditions que précitées. Donc, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle le remplace avec sa propre essence. C'est fait. Bien. Alors, scanne-la, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien. Rien, même plus les déchets à l'intérieur. Non, mais cet état d'être reste fragile, précaire. C'est normal, c'est normal.
On va regarder son soi supérieur, je veux savoir où il réside et dans quel état. Il est sur le plan moroncial avec une attention toute particulière dirigée vers la partie physique, là maintenant. Bien. Il est intéressé par ce qui se passe. Oui. Comment tu vois son âme? C'est comme si elle tentait de disparaître, de se faire transparente. Qu'on ne la perçoive pas, qu'on ne la voit pas. Pour que ça s'arrête, pour qu'on arrête de la suivre. Enfin, pas nous spécifiquement, mais c'est pour tenter de disparaître. D'accord. Ouais, envie d'être tranquille, quoi. Mmh. Bon, subliminal, comment tu la vois, sa partie subliminale? C'est comme s'il y avait une sorte de crissement énergétique. C'est-à-dire qu'elle est en déséquilibre énergétique, mais elle maintient une stabilité en soutien à la partie physique, là, maintenant. Bien. Alors, on va demander au soi supérieur donc si c'est adéquat de partir directement du plan moroncial pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, donc pour Catherine. Est-ce que c'est juste pour lui? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. Elle sait pourquoi nous sommes là? Oui. Alors, je lui propose d'aller directement à l'orée de son incarnation en tant que Catherine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel intérieur et dans son équilibre parfait. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui, c'est correct. On y va donc en mode déplacement quantique, donc sans passer par les conditions matricielles, immédiat et simultané. 1, 2, 3. Oui. Demande-lui à présent sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets? Elle me montre son énergie vive, puissante, forte, colorée, lumineuse, joyeuse et qui rayonne dans l'espace terrestre. Elle veut faire rayonner cette énergie-là qui est la sienne. Faire rayonner sa présence. Ok. Ce qui permettrait quoi? Il n'y a pas de... Il faut que je m'éloigne pour avoir une information sur un autre plan plus... Oui, voir s'il y a une intention ou c'est juste, une autre, si c'est juste pour le plaisir. Perspective. De cette première perspective-là, ce n'est que pour le plaisir. Okay. Et d'une perspective plus large, ça entre dans le champ d'expérimentation du soi supérieur avec une sorte de challenge et de défi de faire pétiller et briller et faire exister dans la joie son énergie au sein même de ce plan-là et au sein même de la matrice artificielle, ce qui constitue en soi-même un défi. Très bien. Alors, à quel moment choisit-elle d'entrer dans sa physicalité à 100%? Et au moment de la conception. Bien. À quel pourcentage est-elle connectée à son essence à ce moment-là? 97%. Proposer de monter à 100%. Oui. Bien. Maintenant, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Parfait. Et elle regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 50% et pour la partie restante, elle réaménage, réorganise et elle apporte de l'information, comme si elle apportait des éléments nouveaux d'information.
Très bien. Alors, en ce qui concerne les transmissions transgénérationnelles, il semble y avoir des dysfonctionnements. Regarde si tu as des programmes ou d'autres choses incluses dans son arbre. Toute la lignée est interférée par les mantes. D'accord. C'est pour ça qu'elle s'en est coupée à 50% et que c'est de façon très active que sur la deuxième moitié, elle apporte ces éléments nouveaux d'information, de réaménagement et d'adaptation. Bien. Alors, est-ce que nous sommes autorisés à travailler sur la lignée pour la débarrasser de ses mantes? Oui. Oui? Bon, alors on va aller à la toute première interférence, avant que tout ait commencé. 1, 2, 3. Alors, ça m'amène très loin. Ça m'amène au début de l'humanité. Ah, il y a des divisions comme il y a des divisions, plusieurs souches, et c'est comme s'il y avait même plusieurs souches, pas une seule, qui sont directement interférées dès le début par les mains. D'accord, mais là, ça mène trop loin. Donc, on va s'intéresser qu'à sa lignée. Tu vas choisir un moment, le moment propice pour intervenir. Pour que ça ne, voilà, qu'on arrive à l'embranchement de sa lignée actuelle. Oui. C'est bon? Ça t'amène où, là? Ça m'amène à 7 générations en arrière. D'accord. Et ça t'amène à quel personnage, alors? À quel membre de la lignée? Ça m'amène sur une femme, mais une femme qui, elle est en 3D, mais elle est en connexion avec la 4D. C'est une sorte de chamane ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un qui est en lien avec ce qu'on appelle les esprits et qui voyage entre les plans. Ça m'amène sur le continent américain. Continent américain. C'est une amérindienne? Oui. Bien, ok. Et là, si on regarde sur la lignée de Catherine, c'est côté paternel ou maternel? Côté paternel. Paternel, d'accord. Mais il y a quelque chose qui vient squeezer. C'est comme s'il y avait quelque chose de double qui avait été copié. Comme si l'information était en même temps juste et en même temps ne l'était pas. Tu parles de quelle information? De ce qui vient d'être donné. Tu parles de quoi? De la femme chamane ou tu parles du côté paternel? Non, de la femme chamane et du côté paternel, tout. C'est comme si tu sais, quand tu as des circuits électroniques dans lesquels tu peux rajouter comme des barrettes de mémoire. C'est une barrette de mémoire qui a été rajoutée, qui existe en tant que telle, mais qui a été rajoutée. Ah, je ne sais pas comment expliquer ça. Regarde si les mentes ne sont pas en train de jouer avec le plan mental, là. Si, parce que ce sont elles. Elles sont en train de se jouer de nous, là. Oui, ce sont elles qui donnent l'information de cette barrette mémorielle. C'est elles qui ont rajouté la barrette mémorielle. Tu veux dire, au niveau de l'information qu'on est en train de chercher maintenant? C'est ça, oui. Ok. Alors, on va les virer de notre espace. C'est quelque chose comme si ça ne nous regardait pas. Et c'est des mémoires écrans ou des informations écrans apportées par une barrette de mémoire, comme une barrette de mémoire informatique. Emmanuel, on va ouvrir un portail dimensionnel, on va les virer. Donc, je compte à 3 et on les vire toutes. Ok. 1, 2, 3.
virer de notre champ d'expérience à tous les trois. Oui, c'est voilà. Bon. Bien. Est-ce que vérifie qu'il ne reste plus rien? Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, on va regarder l'information maintenant. Regarde la toute première fois où il y a eu l'interférence. Si ça se trouve, on s'est fait allurer. Oui, il y a autre chose qui apparaît derrière. Elles sont fortes. Alors, ça t'amène où la toute première fois? Il y a lignée féminine. Ah. Venant du côté de la mère, les femmes, la mère. Oui. Ça remonte au-delà de 7. Ça remonte jusqu'à 15. Et ça reste, d'un point de vue géographique, ça reste droit, ça reste sur l'Europe. Bien. Alors, cherche la toute première fois alors. C'est là qu'on va travailler. Donc, c'est une femme. Bien. Ça t'amène où alors? Mais il y a toujours cette relation entre la 3D et la 4D. Il y a toujours cette communication entre les plans. C'était toujours une chamane. Oui. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme chamane, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en lien avec l'autre plan, avec ce qu'on appelle le monde des morts. C'est quelqu'un qui fait passer ce qu'on appelle faire passer les morts. Des âmes, d'accord. Passeuse d'âmes. Passer les âmes, oui. D'accord. Ça t'amène dans quel pays, là? Ça remonte en ligne droite, ça remonte à ce qui est maintenant l'Allemagne. D'accord. Bon, on va chercher, on va pas chercher l'historique, je vais seulement m'intéresser à l'événement. À quel moment il y a eu cette inclusion de ces mantes? Lors d'un passage d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a été comme basculée et emportée. C'est-à-dire qu'en voulant faire passer une âme, elle a été comme emportée de l'autre côté, marquée en quelque sorte. Et quand elle est revenue sur le plan de la 3D, il y avait ce marquage-là. Elle est comme tombée dans son voyage et dans son accompagnement du passage d'âme. Elle est comme tombée sur le côté. Elle a été relevée et marquée et redescendue dans la 3D. Et c'est à partir de là que toute la lignée a été interférée. Oui. On est d'accord. Oui. Bon, donc on va aller au moment juste avant que tout ça arrive. Je veux que tu te présentes à elle avant que ça arrive, avant qu'il y ait cet événement. Oui. Voilà. Donc, tu lui expliques que tu viens de son futur et que nous sommes là pour régler, on va dire, des difficultés de son futur qui sont liées à ce qui va se produire dans très peu de temps. Donc, tu lui montres carrément les informations, montre-lui tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a vu, quelles sont toutes les informations. Montre-lui ce qui va se produire très prochainement au cours d'un de ces passages d'âme. Oui. Comment réagit-elle là? Elle stoppe tout, comme si elle marquait une pause. Elle se recentre. Elle fait des cercles autour d'elle de protection. Ça la stabilise. Ça la protège. C'est comme une sorte de coque qui ne peut pas être traversé. Alors, on va voir ce qui se passe maintenant. On va avancer dans l'événement. Et dis-moi ce qui se passe. Elle l'accompagne toujours, mais sans... Elle ne le fait pas de la même façon, elle ne s'implique pas de la même façon. C'est-à-dire, au lieu de la tirer, elle se place dans une perspective autre, dans la perspective inverse, qui est plutôt comme de la pousser, d'effectuer une poussée, mais sans s'impliquer, ce qui ne la met pas à découvert, ni en état de faiblesse. Bien. Donc, maintenant qu'elle a l'information, donc,
essaie de mettre en place. Oui. C'est ça? Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase? Il y a une coupure. Je disais, maintenant qu'elle a l'information, elle sait faire autrement. Elle a mis des protections et elle a fait autrement. C'est ça. Bien. Alors, regarde l'impact que ça a maintenant. Tu redescends toute la lignée jusqu'à ici et maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu vois qui change? Il y a quelque chose qui s'est délié, qui s'est allégé, une sorte de colle, quelque chose de gluant qui s'est enlevé, qui n'est plus là. Bien. Il y a plus d'énergie qui circule. Très bien. Alors, donc elle va enrouler ce nouvel arbre donc généalogique, elle va l'enrouler d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa source. Oui. On va le sécuriser, donc stabiliser et donc pérenniser. C'est fait. Bien. Maintenant, nous allons effacer l'ancien arbre généalogique avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Avec les traces, mémoire et empreintes, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Éliminé totalement. C'est fait. Bien. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien. On a terminé avec l'arbre généalogique? Oui. Très bien. Maintenant, elle va regarder son ADN. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Très bien. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précitées, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Elle le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? 3. Est-ce que les 3 sont connectés et activés? Les 3 sont connectés et activés. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, alors elle enrichit ceux qui sont déjà présents. Mmh. Et elle procède à des ajouts, oui. Très bien. Tu me diras quand c'est fini? C'est fait. Alors, quelle différence ça va faire pour elle? Ça vient renforcer ses connexions présentes. C'est le mot qui vient, ça apporter de la force, renforcer, stabiliser, apporter une base stable à l'incarnation, mais sur tous les plans, physique, psychique, donc émotionnel, mental, spirituel aussi. D'accord. Très bien. Donc, on va regarder les programmes archontiques. Nous allons les éliminer. Donc, tous les programmes de limitation, de dualité, de séparation, tout ce qui empêche donc la conscience, l'expansion, la croissance, donc dans l'incarnation, etc. C'est adéquat pour elle? Oui. Alors, on élimine tout dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Et donc, elle va sécuriser son ADN, donc l'enrouler d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. On stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Très bien. Maintenant, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage elle est connectée à ce moment-là à son naissance? 75%. Bien, bien. Elle remonte à 100% et vérifie ses racines. C'est fait. Elle s'apprête à un nouveau monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel
Et dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, de pourquoi elle est là, de ses objectifs, dans sa souveraineté, dans son unité, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est. Oui. Bien. Donc elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les plans coexistants, donc tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, donc écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, et tout système reproductif, donc que tout soit rompu et effacé. Je me répète, 1, 2, 3. Oui. Bien. Voilà. Alors maintenant, je vais inviter Catherine à être pleinement présente et participative à tout ce qui va s'en suivre. Hein. Donc vivre, ressentir, imaginer, acquiescer à tout ce qui est proposé. Et j'invite toutes les personnes qui vont assister à cette séance de faire la même chose pour elles-mêmes, adapter bien sûr à chacune sa propre situation. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, avec les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité sur tous les plans et pour toute la séance. 1, 2, 3. Oui. Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens, toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Nous allons annuler les programmations d'auto-sabotage partout où elles se trouvent. Donc avec traces, mémoire, etc. sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Oui, comme des sortes tu sais, ce qu'on appelle les lamelles pour observer sous microscope. Il y a des sortes de lamelles où il y a des informations, où sont présentes des informations génétiques qui lui appartiennent. Très bien. Alors, on les élimine partout où elles se trouvent sur tous les plans. 1, 2, 3 et sur toutes les fréquences. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien. Très bien. On inclut tout ça dans tous les états de conscience. Oui. Elle déclare à présent, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc. à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues.
Oui. Bien. Nous allons aborder maintenant la partie psychologique. Donc, si tout ne concerne pas Catherine, tout y est proposé. Elle déclare: Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, elle déclare: Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'abondance, etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je sais que je suis entièrement co-créatrice de ma réalité et donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place et dans sa propre expérience. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. Et que j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter. Oui. Bien. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui.
Nous allons à présent effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Bien. À présent, vérifie s'il ne reste rien en termes de traces ou marquage ou traçage matriciel ou archiavélique. Non, il n'y a rien. Bien. Et en ce qui concerne le dispositif d'aimante, il n'y a rien qui reste qui permettrait de la récupérer. Hein. Non. On est d'accord. Non. Alors, elle va entrer, intégrer tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Et elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine qui crée les connexions. Elle est en train de le faire avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me diras lorsque ce sera fait. C'est bon. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyages, guérisons, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est bon. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Tu sécurises tout ça également. C'est fait. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Installer un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Installer un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Et un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. C'est fait. Tu programmes tous ces programmes pour être stable et indestructible. Oui. Adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Donc tu sécurises également. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Elle va créer son code de vie et l'activer également. Oui. Tu sécurises le tout. Oui. Et nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace mémoire, etc., écho, résonance, sur tous les plans comme précité, et pour chacune des parties. 1, 2, 3.
Oui. Je veux tout d'abord que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir force de vie et amour. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité. Oui. Et à son essence pour recevoir énergie, information, conscience, puissance, amour. Oui. À toi de jouer. Elle déploie autour d'elle un tourbillon énergétique puissant qui vient créer un espace protégé, haut en fréquence. Elle vient s'y placer à l'intérieur, au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Elle dégage doucement. Et en même temps, il y a cette onde puissante qui se met en route, qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, une à une, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente et arrive à la hauteur du coccyx. Elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches sombres, denses, épaisses. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Bien, elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annuler et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, etc. sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3, pour chacun des systèmes. Oui. Que chacun se recrée à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version originelle. Oui. Et que chacun soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glande immunitaire, hormonale, Oui. digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire, évacuation, Oui. reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toute trace, mémoire, etc. et toutes les programmations. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, donc protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique. Oui. Donc le cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et tu sécurises chacun d'eux. C'est fait. Maintenant,
c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason. Ça émet des sons. Donc ça émet des sons, des fréquences. Donc il y en a toute une gamme. Elle vient y accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, jusqu'au cœur des cellules, dans tous ces systèmes, dans tous les organes, tissus, jusqu'au cartilage, jusqu'au système osseux. Ça libère des tensions et ça crée de nouveaux équilibres dans toute la physicalité. Tout vient se replacer différemment, sur une autre base, un autre équilibre. C'est bon. Très bien. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient accorder à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est fait. Tu sécurises tout. Oui. Maintenant, système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graines de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu ? 8 activés. C'est bon. Très bien. Centrage et alignement. Oui. Et tu sécurises l'ensemble. Oui. Maintenant, on va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation, donc sur tous les plans précités. 1, 2, 3. Oui. Elle équilibre les polarités avec la plante neutre pour les mettre au point zéro. C'est fait. Et pendant que l'élémental constitue le travail, nous allons prendre sa liste. Mm-hmm. Donc il s'agit, je le rappelle, de l'ancienne ligne de temps, donc pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Alors, donc, les premiers points qu'elle a évoqués, c'est la perte de mémoire, manque de concentration. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, au vu de ce qui a été découvert tout à l'heure ? C'est cette sorte d'espace ovoïde qu'elle avait placé au niveau de la tête. Est-ce qu'il en reste quelque chose, là, maintenant ? Non. Bien. Alors, on va traiter en même temps toute la partie donc, dans l'espace ovoïde, d'accord ? Mmh. Ça va concerner les yeux, cataractes, etc., les oreilles, le nez, enfin tout ce qui est le système ORL. On est OK ? Oui. Bien. Alors pour tout ça, regarde s'il y a des traces, mémoire ou empreintes. Est-ce qu'il y a des échos, des résonances et réminiscences ? Est-ce qu'il y a des traumatismes ou autres ? Il y a des traumatismes, des mémoires, des empreintes. Des modes de fonctionnement, c'est-à-dire fonctionner quand même en contournant les filtres. Donc il y a ces mémoires de fonctionnement et des résonances. Très bien. Ces mémoires de fonctionnement, elles sont inscrites où ? Dans son système neuronal et système nerveux central, et au cœur aussi de chaque cellule concernée. D'accord. Ok. Et bien sûr, son élémental. Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité, partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui.
on réinforme chacune des parties et chacun des systèmes et on stabilise. Oui. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Donc tu stabilises, sécurises et pérennises. Oui, c'est fait. Bien. On va revenir quand même sur les yeux au niveau de la cataracte, donc qui est congénitale. Donc il y a des implants, hein, des implants physiques. Mmh. Regarde comment est-ce que tu les vois là maintenant. Il faut qu'elle équilibre son énergie par rapport à ce qui est extérieur. Tout ce qui est apport extérieur. Mais que ce soit au niveau des yeux, des dents, encore ça a été rééquilibré tout à l'heure, mais on peut affiner encore pour que ce soit inclus ou reconnu comme faisant partie de sa propre énergie, que ce soit reconnu et intégré par sa biologie. Alors, est-ce qu'on peut le faire aussi pour le système ORL, les oreilles, le nez, etc. Oui. Alors, on inclut tout ça. Allons-y. Oui. C'est fait. Est-ce que tu as autre chose à faire? Non, l'énergie s'est équilibrée. Il y a un apport d'énergie vitale qui s'est fait et ça s'est équilibré, harmonisé. Maintenant, c'est correct. Bien. C'est fluide. Alors, puisque cette cataracte est congénitale, regarde si dans l'arbre généalogique, cet aspect a été travaillé ou s'il en reste des aspects. Non, ça a été travaillé. Très bien. Donc, on va demander à son élémental de travailler plus précisément sur chacun des points, d'accord? Oui. Donc, ta cataracte, ça veut dire qu'il y a voile devant les yeux, normalement, donc il va faire en sorte de tout stopper, dissiper, dissoudre, faire ce qu'il faut sur tous les plans. Oui, c'est bon. Bien. Alors, plus précisément au niveau de ses oreilles, puisqu'elle devrait pouvoir, elle devrait se faire poser un appareil, des appareils, regarde si tout a été régularisé ou s'il y a des affinements à faire, des choses que nous pourrions faire pour parfaire ce travail. Non, ça a été régularisé, c'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, c'est comme s'il y avait eu une sorte de voile qui était venu abaisser ses fréquences. Et donc, plus suffisamment d'énergie pour alimenter le système auditif. C'était ça la conséquence. Bien. Là, maintenant, l'énergie circule bien. Oui. Il y a suffisamment de force de vie. Oui. Ok. Donc, on peut demander à son élémental d'intervenir plus précisément sur le plan physique pour que les rétablissements soient plus rapides. Oui, il y a un faisceau d'énergie vitale qui intervient directement dans le système auditif. Très bien. Donc, tu sécurises tout ça. C'est et fait. Tu pérennises, bien sûr. Oui. Bien. Alors, au niveau du nez, donc, on lui a enlevé une tache de soleil qui était précancéreuse. Regarde-toi de ton côté, sans faire diagnostic, hein, ce n'est pas le but. Mais regarde comment est-ce que tu vois donc, cet endroit. On s'est stabilisé. Mais c'était au niveau... C'est toujours pareil, c'est parce qu'il y avait un abaissement, pas suffisamment d'énergie, l'information biologique originelle déviée, et ça crée un développement cellulaire qui lui-même est affaibli et dévié. Très bien. Donc là, tout ça est régularisé. Oui. Bien. Sa conscience cellulaire est réinformée. Oui. Il n'y a plus rien à faire localement. Faisceau d'énergie vitale. Alors, qui allons-y. Va précisément sur la zone concernée. Allez. C'est fait. Bien, tu sécurises et pérennises également. Oui. Alors, elle a une mauvaise haleine. Regarde d'où ça vient, cette mauvaise haleine. Ça rejoint la gestion de l'énergie au niveau du système digestif.
il y a abaissement de l'énergie, pas suffisamment d'équilibre. Mais maintenant, c'est régularisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'équilibre au niveau de l'équilibre acido-basique, pas suffisamment d'efficacité dans le traitement de l'énergie qui arrive de l'extérieur, c'est-à-dire du traitement de l'énergie via la nourriture, via les aliments. Le métabolisme, tu parles du métabolisme. C'est ça, oui. Et c'est comme s'il y avait stagnation parce que pas suffisamment efficace au niveau du traitement de l'énergie apportée par les aliments. Donc ça faisait comme des sortes de stagnation d'énergie et c'est une conséquence en fait, simplement. Ok. Alors, est-ce qu'on peut stimuler tout le système maintenant digestif et métabolique? Envoyer de la force vitale? Oui. Et une force vitale stabilisatrice. Parce que son énergie, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de gaspillé au niveau de son énergie qui partait à l'extérieur, qui lui était volée et donc pas utilisée pour elle-même. Mais par voie de conséquence, il y avait un mode de fonctionnement, de traitement de l'énergie qui n'était pas redirigé vers elle-même. Ce n'était pas utilisé pour elle. Donc il faut stabiliser ce fonctionnement-là, que ça soit actif, mais pour elle. Alors, est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Très bien. Donc, tu sécurises et pérennises. Oui. Alors, son poignet gauche, donc, il a subi une fracture et encore aujourd'hui, elle a eu ce qu'on appelle la main de cire, c'est-à-dire une dalgodystrophie, hein, donc les doigts qui sont douloureux. Regarde comment tu vois son poignet gauche maintenant et sa main et ses doigts. Comment est-ce que tu vois l'énergie? Donc l'énergie circule correctement maintenant, mais il faut stabiliser cette circulation correcte, que ça reste stable dans le temps. Est-ce qu'il faut la stimuler d'abord? Oui, la renforcer, la stimuler et la pérenniser. Allons-y. Ça fait presque comme des petits éclairs, des sortes de picotements de stimulation, en fait, comme une sorte de stimulation du circuit électrique. Ça Bien. Se stabilise, ça se renforce, c'est bon. Donc tu pérennises hein, pour que ça dure le temps qui est nécessaire. Oui. Bien. À sa main droite, donc, elle a des nodules donc, dans ses paumes de main. Hein, donc, il peut se traduire par des doigts qui se rétractent. Regarde, à quoi est-ce que c'est dû d'abord, ces nodules dans la main droite? Il y a comme une sorte de grille avec des trous énergétiques situés à cet endroit-là. C'est comme une clé d'entrée quand il y a des... tu sais, chez les humains, je crois que ça s'appelle un cathéter, c'est ça, quand tu ne veux pas repiquer plusieurs fois au même endroit. Oui, pour pouvoir injecter autant qu'on veut. C'est ça. Ben là, c'est un peu le même type de système, mais à multiples entrées. Et à chacun des nodules correspond une entrée pour accéder à elle, à une entrée de piqûre, mais sur le plan énergétique. Et c'est comme si les chairs s'étaient resserrées et comprimées pour résister, qu'elles s'étaient mises en boule pour résister. C'est l'élémental du corps qui se met en boule pour résister. C'est chaque fois qu'il y a eu intervention sur elle et piqûre sur elle systématique à cet endroit-là. C'est toujours l'aimante, je suppose. Oui. Avec les gris. Hein. Oui. Bon, alors regarde s'il en reste quelque chose maintenant de tout cela déjà sur un certain plan. Regarde s'il reste des traces, mémoire, empreintes ou autre chose. Il reste des mémoires, des empreintes et des traumatismes. Il reste. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans, partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. On stabilise, sécurise. Et réinforme. Oui. Tu réinformes chacune des parties, bien sûr.
Oui. On connecte au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Et on stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Que son élémental fasse ce qu'il faut maintenant pour dissoudre tous ses nodules et créer les réparations nécessaires. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Non, c'est bon. Merci. Bien. Alors, elle a des douleurs partout, elle fait de l'ostéoporose. Regarde au niveau de l'ostéoporose, son système osseux. Est-ce que tu vois que ça a été travaillé dans ce qu'on a fait ou pas? Oui. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Non, ça s'est stabilisé, renforcé tout le système, c'est bon. On peut renforcer avec de la force vitale ou c'est déjà fait? C'est déjà fait. Très bien. Elle a une sciatique à gauche. Donc, est-ce que ça a été travaillé ou pas? Oui, pareil. Il ne reste plus rien. Ah, il reste des empreintes et des traumatismes. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, et on réinforme. Oui, c'est fait. Donc, on stabilise et on connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Et que donc on stabilise, sécurise, pérennise, et que son Oui. alimental travaille plus précisément sur ces endroits pour qu'il y ait un impact plus proche de la physicalité. Oui. Alors, elle a eu un cancer du sein avec trois modules, donc à gauche. Regarde déjà s'il en reste quelque chose là maintenant. C'est stabilisé, mais c'était dans la zone où il y avait cette forme ovoïde, Ovoïde, ouais, c'était laiteuse. l'œuf du milieu. Oui. Hein? D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose de ces trois nodules ou pas? Il reste des mémoires, des traumatismes, des empreintes et des échos. Alors, on élimine tout ça partout où ça se trouve, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. On réinforme chacune des parties, on stabilise et sécurise. Oui. Bien. Alors pour ça, elle prend des médicaments. Donc, regarde s'il y a des effets indésirables. Oui, c'est comme si la balance appuyait trop. Il faut rééquilibrer la balance. D'accord. Alors, on va faire en sorte que son élémental ne conserve que ce qui est utile et neutraliser le reste et l'éliminer. C'est possible? Oui. Allez. Donc on rééquilibre la balance et on fait ce qu'il faut. En rééquilibrant la balance, il y a une sorte de filet d'évacuation de ce qui ne lui est pas nécessaire Très bien. qui s'est mis en place. Et là, ça vient équilibrer. Bien, tu stabilises et sécurises et pérennises. C'est bon. Très bien. Elle a des douleurs au foie, regarde d'où ça vient. Il y a comme une fatigue, un encrassement. Alors, c'est lié aux substances chimiques. C'est comme une conséquence. D'accord, ouais, c'est les filtres, c'est ça. Oui. Très bien. Alors on va regarder tous les filtres et puis on va tous les traiter en même temps. D'accord? Oui. Donc on va tous les stimuler pour que déjà prendre de la force de vie, pour pouvoir avoir la force nécessaire. Et chacun dans sa fonction va évacuer, filtrer ce qui doit l'être. Oui, Bien. il y a l'énergie qui monte et qui vient, c'est comme des paillettes qui viennent se placer exactement aux endroits où c'est nécessaire. Ça vient renforcer et stabiliser. Très bien. C'est bon. Et on pérennise tout ça.
Oui. On va connecter à son essence, au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Et on stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Très bien. Alors, au niveau de son utérus, fibromateux, regarde s'il reste quelque chose sur cette nouvelle ligne de temps avec ce qui a été fait ou pas. Il reste des mémoires, des empreintes, des traumatismes. Il y a quelque chose de sombre, mais c'est les mémoires. C'est les mémoires et les empreintes. Ok, Et au niveau des déchets que tu avais vus, il ne reste plus rien. non, là, il n'y a plus rien. C'est simplement des D'accord. mémoires. C'est comme dupliqué, comme des échos. D'accord. Alors on va éliminer tout ça et les échos depuis leurs racines, d'accord? Oui. Depuis leur source. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans que l'on peut citer. 1, 2, 3. C'est fait. Emparer et informer chacune des parties et stabiliser. Oui. Connecté au chakra cardiaque, cœur de Gaïa et à son essence, on stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et on envoie de la force vitale dans la mesure du possible. Oui, c'est fait. Bien. Au niveau intestinal, elle est sujette à de la constipation. Regarde si tout ça maintenant est débloqué, si ça circule bien. Ou s'il y a une intervention à faire spécifique. Non, c'est débloqué, ça circule. Ah, c'était lié à la gestion de l'énergie dans le système digestif qui a été travaillé tout à l'heure. Très bien. Donc là, c'est bon. On peut Oui. demander à son élémental de d'intervenir plus directement sur les parties physiques. Hein. Oui, c'est fait. Bien. Alors au niveau du plancher pelvien, elle a aussi des hémorroïdes, etc. Regarde là si tout est régularisé. Oui, ça s'est réénergisé. C'est bon. Bien. Est-il nécessaire de stimuler tous les systèmes circulatoires, qu'ils soient sanguins, qu'ils soient donc lymphatiques et énergétiques? Alors, ils ont déjà été stimulés, mais là, c'est plutôt dans la stabilisation et la pérennisation qu'il D'accord. faut agir. Allons-y. Très bien. Et puis plus localement, donc dans ces endroits-là. Oui, c'est fait. Bien. Alors, le point qu'elle a évoqué, c'est le jour de son premier accouchement, donc après 13 heures, donc elle a accouché. On l'a endormie et donc on lui a dit que. Excuse-moi, j'ai pas bien. Le placental ne venait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on l'a endormie, en fait? Regarde ce qui s'est passé en fait. On lui a dit que son placenta venait pas. Non, parce qu'il y a eu comme une sorte de... C'est comme si ça restait bloqué à l'intérieur. Parce qu'il y a eu fragilisation sur le plan physique en raison de toutes les interventions qui ont été faites sur le plan éthérique au niveau de Carrément. l'utérus. Oui. D'accord. Donc ça a compliqué la situation, c'est ça? Oui. Ok. Donc il ne s'est rien passé d'autre. Donc c'est bien l'histoire de placenta qui avait du mal à Oui. sortir. Oui. Il n'y a rien d'autre pour. Non. Bien. Regarde en même temps, au moment donc de la venue au monde de sa fille ou avant, est-ce que. Il y avait une deuxième. Est-ce qu'elle était seule dans cette matrice ou pas? On a dit à sa fille Alors, qu'elle n'était pas la première. elle n'était pas seule, mais ce n'était pas sur le plan humain. Ah. Et c'est ce qui est venu, c'est-à-dire Clémente, on... Comment dire ça, profiter de l'occasion en quelque sorte pour installer leurs œufs. Et donc c'est venu, il y avait une conscience présente là aussi. Mais c'était pas humain. C'était menthe. Et ça a été enlevé avant, ou prélevé, enlevé avant la naissance physique de sa fille. D'accord, ok. Ok, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a aucun souvenir de son enfant? C'est le brouillage,
C'est le brouillage qui est fait au niveau du mental, au niveau mémoriel. Bien, maintenant, il n'en reste plus Euh, rien. non, Tout est clair. c'est simplement pour qu'elle ne voit pas ce qui se passe, qu'elle ne perçoive pas ce qui s'est passé et sur elle et sur son enfant. Bien. OK. Puisque c'est toute la lignée qui avait été affectée par ce système-là d'interférence, par ces entités-là. Bon, il n'en reste plus rien là maintenant. Non. Tout fonctionne bien aussi. Dans Oui. ces circuits neuronaux, dans tout son, on va dire ça, son mental, son esprit. Oui. D'accord. Non, tout est Bien. correct. Très bien. Alors, donc, elle a suivi des enseignements d'Ivanov Mikhaïl, Mikhaïl Ivanov. Voilà. Donc, regarde au niveau de Mikhaïl Ivanov, justement. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu te connectes à lui? Quelque chose de... Il y a une énergie claire, stable et lumineuse. C'est une sorte de base. Une sorte de base stable et lumineuse. D'accord. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à méditer? Enfin, je te pose la question alors qu'on a les réponses. En fait, c'était le brouillage des mentes, c'est ça? Oui. Hein? Ça empêche Ok. la connexion avec avec son essence divine. Voilà. Bon. Mais ça, c'était avant. Donc maintenant, les Oui. connexions sont faites, c'est protégé, donc. Au niveau transgénérationnel, donc la perte de bébé, donc voilà, regarde si ça a été travaillé ça maintenant, Oui. si tout a été, oui, il n'y a plus rien. C'était en lien Il n'y avec a les plus rien. programmations des mentes, c'est ça? Oui, est-ce Oui, donc l'aspect de perte de bébé dans la lignée transgénérationnelle, c'est travaillé, il n'y a plus rien, hein, on est d'accord. Il n'y a plus rien. Bien. Ah, on va regarder maintenant, bah, alors la maison, on va regarder tout à l'heure, hein, puisque ça sera OK. Donc on va procéder aux... non, on va regarder le plan mental, son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances qui vont avec. Une sorte de cage qui a été installée dans... dessus et autour du plan mental et qui l'empêche de voir quelle que soit la direction dans laquelle elle porte ou vers laquelle elle porte son attention. Ça la dirige vers un plan pré-programmé. Et il n'y a pas d'échappatoire possible. Tout est bloqué et verrouillé. Ça, c'est sur le plan mental. Quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de tout ça? Elle est en quelque sorte obligée d'avancer dans cette sorte de couloir. Des croyances que, quels que soient les efforts qu'elle déploie, ça ne marche pas, qu'elle n'est pas suffisamment puissante. Quels que soient les efforts qu'elle déploie, qu'elle fait du surplace, et voire même elle s'alourdit puisqu'elle perd de l'énergie. Donc la perte d'énergie fait se renforcer la croyance qu'elle n'est pas suffisamment puissante pour se libérer elle-même. Bien. Regarde son corps émotionnel, dis-moi quelles sont les émotions et les sentiments liés à tout ça. De la frustration et sentiment d'injustice. Frustration, colère de se retrouver là, bloqué dans cette situation-là. Découragement, perte d'estime d'elle-même. Et c'est petit à petit, comme si ça lui faisait perdre
en même temps qu'elle perd de l'estime d'elle-même, elle perd confiance en elle. Ses mouvements de révolte diminuent, puisque c'est à quoi bon? Ça entraîne de la perte d'énergie. Et une diminution globale de l'énergie, oui. Bien. Alors, on va regarder maintenant, aborder le thème des cinq blessures principales, qui, je le rappelle, sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et la justice. Dis-moi celles qui sont prédominantes chez elles et comment elles s'expriment. Moi, il y a l'injustice de se retrouver là et de ne pouvoir, dans cette situation-là, et de ne pouvoir rien y faire malgré tous les efforts qu'elles déploient. Elles se sont rejetées et abandonnées dans cette situation d'humaine dont elles subissent. Il y a cette sensation-là de subir la condition humaine, de subir les conditions de dégradation de la biologie humaine et sans, en s'en sentant impuissante, sans pouvoir faire autre chose que de subir. Elle ressent de la trahison de son soi supérieur, de l'avoir laissée dans cette situation-là. Et elle se ressent aussi humiliée et diminuée dans sa physicalité. Et dans cette situation-là, d'être incarnée humaine. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Bien. Alors, quels sont les masques compensatoires qu'elle porte vis-à-vis de tout ça? Elle continue envers et contre tout à montrer à l'extérieur cet aspect d'elle comme quoi tout va bien, comme si elle annonçait fièrement avec un panneau « tout va bien pour moi, je maîtrise ». Je suis au sommet de la vague et je maîtrise et tout se passe bien. Alors que en arrière-plan, et c'est beaucoup plus sombre, noir, décourageant. Il y a un découragement, une sorte de faiblesse énergétique aussi qui vient contribuer à la perte d'énergie et qui est due au découragement. Donc elle a mis en place cette stratégie-là pour survivre. Parce que plus elle cède du terrain, plus elle se fait manger en quelque sorte. Donc pour ne pas reconnaître et pour ne pas montrer que en réalité, elle sait bien qu'elle perd du terrain, elle brandit toujours en avant ce panneau de « tout va bien ». Tout va bien, je suis sereine, souriante, vive, légère et pleine d'énergie. C'est sa façon de se protéger, c'est sa façon de rester en survie, c'est sa façon de garder le contrôle, ou du moins un semblant de contrôle. C'est son moyen de garder le cap, de se sentir vivante, de se sentir humaine et de se sentir en connexion. C'est-à-dire qu'elle crée la connexion même si elle sent en elle-même que cette connexion-là diminue et qu'elle n'arrive pas à la connecter. Elle fait comme si, ou elle montre à l'extérieur comme si cette connexion-là existait. D'accord. Maintenant, elle existe bien. Oui. Bien. Alors, quels sont les conseils de sens supérieur alors? Que maintenant, elle est connectée. La connexion est bien là. Elle n'a plus besoin de faire semblant. Elle n'a plus besoin de déployer tous ses efforts, de faire tous ses bruissements d'elle. Maintenant, elle peut se poser et apprécier. Apprécier simplement le moment présent, il est là, à disposition, au creux d'elle-même.
Il suffit qu'elle y porte son attention. Bien. Et l'alignement se fait simplement. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va remonter aussi haut que nécessaire pour retrouver donc la racine mère de tout cela. Dis-moi où ça te mène. Ça m'emmène dans une sorte de tourbillon. C'est le tourbillon des incarnations précédentes. À chaque incarnation est venue se rajouter comme des couches. Des couches de douleur et des couches de bouclier qui sont venues se rajouter. Et entre chaque couche, vient s'intercaler de l'anxiété, de la peur de perdre le contrôle, et la culpabilité aussi. La culpabilité liée au « je n'ai pas réussi, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas atteint l'objectif ». Mais ça vient d'avant les incarnations. Elle n'a pas atteint l'objectif. Elle s'est faite piéger. Et il y a l'humiliation aussi liée au fait de s'être fait piéger. Quand elle était dans cette manifestation d'elle-même, dans ce vaisseau avec ses déplacements extrêmement rapides, brusques. Dans son aspect félin. C'est ça. Malgré toutes les stratégies déployées, malgré tous les efforts déployés, elle s'est fait piéger. Et c'est venu la marquer comme une blessure, une humiliation. Bien. Et en amont? En amont, c'est au niveau du soi supérieur quand il est en train de mettre en place le déroulé des manifestations de lui-même. Il place les pions. Alors, c'est pas exactement un déroulé, c'est comme s'il plaçait des pions devant lui des différentes manifestations de lui-même. Mais vu de notre perspective, c'est comme un déroulé, c'est l'un après l'autre. Mais en réalité, tout est là, étalé en quelque sorte, comme les pièces d'un puzzle, devant le soi supérieur. Et il vient investir de l'énergie dans chacune des manifestations de lui-même. Y compris dans les manifestations de lui-même qui sont affectés par ces blessures-là. Tu veux dire qu'il y a plusieurs manifestations de lui-même en même temps? C'est ça. Mais d'une autre perspective, c'est en déroulé. D'accord. Mais en même temps, il y a les manifestations d'elle-même en tant qu'humaine avec toutes ces blessures-là. Bien. Et en amont encore? En amont encore, c'est au moment de la séparation d'avec la source. Où il y a cette séparation brutale, comme s'il n'avait pas eu le temps de garder elle est partie sans bagage et sans mémoire de la source. Elle n'a pas eu le temps de garder la mémoire de ce qu'elle est, la mémoire de son essence divine. Ça l'a placée comme si elle partait dans le vide, en insécurité. Et bien sûr, avec l'oubli de qui elle est, de pourquoi elle est là et de ce qu'elle, de ce qu'elle va faire. D'accord, le sens de tout ça. Bien, reviens ici et maintenant. Oui. Donc, on va lui demander maintenant comment est-ce qu'elle voit la situation de Catherine, ici et maintenant, et dans toutes les vies qu'elle a vécues, sur Terre et ailleurs. Quelle est sa vision des choses, ici et maintenant, avec tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a compris, entendu, tout ce dont elle se souvient? Comment voit-elle tout ça aujourd'hui? Elle s'aperçoit que ce ne sont que des scénarios, comme des pièces de théâtre, des essais pour voir, des tests, mais que ça n'a pas plus d'importance que ça.
C'est-à-dire que de cette perspective-là, c'est intéressant et même amusant à regarder. Mais n'est plus du tout sur la même perspective que sur le plan physique. Donc de ce plan-là, tout prend son sens. Tout vient s'articuler parfaitement. Comme les pièces d'un puzzle qui viennent s'imbriquer parfaitement. Bien. On va regarder comment elle s'y prend maintenant dans la physicalité pour avoir la même vision et avoir les mêmes ressentis. Donc elle va directement dans le corps de Catherine. Elle va investir sur tous les plans. La moindre cellule. Elle intègre, pour ce faire, elle intègre dans la physicalité la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Très bien. Alors, comment ça se passe maintenant? Il y a quelque chose de léger qui se met en place. Une simplicité heureuse et légère qui se met en place. Tout est naturel et fluide. Bien. Et alors qu'elle prenne le temps de le qu'elle prenne le temps de le ressentir et de faire ressentir sa conscience cellulaire et tous ses systèmes d'organes, etc. Oui, c'est fait. Alors maintenant, on va repartir de la source avec donc cette nouvelle vision, avec ce ressenti, avec cette sagesse intérieure. Et tout son état d'être. Je veux que savoir comment elle revit cette situation que nous appelons séparation jusqu'au plan physique. Comment ça se passe dans ces nouvelles conditions? Elle garde l'intention puissante de garder avec elle la mémoire de son essence divine, de ce qu'elle est, de son essence originelle, la volonté, l'intention et la volonté puissante. Bien. Alors, ressortir de son essence, comment est-ce qu'elle voit les perspectives qui se profilent à elle maintenant? Et surtout, qu'est-ce qu'elle en ressent? Ça lui permet d'insuffler une énergie totalement différente et beaucoup plus puissante dans chaque manifestation d'elle-même. Mmh. Et ça lui permet, par une sorte d'effet retour, de garder vivante et consciente cette mémoire d'elle-même, de ce qu'elle est, de sa nature profonde. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Ah, ça pétille, hein. Il y a de la joie et du plaisir. Voilà. Alors, je veux qu'elle reste en contact avec ça et qu'elle le ramène tout ça dans sa physicalité, comme un téléchargement dans toutes les parties d'elle, que ce soit son mental égo, que ce soit son élémental, ses cellules. Toutes ces parties d'elle se informent maintenant de cette énergie, de cette conscience, de cet état d'être, qu'elle le ressente puissamment dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa légitimité. Le sentiment d'être à sa juste place. Et surtout, d'être en contact avec sa nature éternelle, indestructible, quelle que soit l'expérience qu'elle vit. Elle se souvient maintenant, et elle le ressent pleinement, qu'elle est un être divin, dans une expérience humaine, parmi d'autres. Oui. Bien. Oui, c'est... Maintenant, elle va passer par chacune des vies qu'elle a vécues, sur Terre et ailleurs. Et je veux qu'elle réinforme chacune d'elles avec cette conscience, cette énergie, ce ressenti, cette joie, cette pétillance et cette vision des choses, tout en gardant, bien sûr, intact ce ressenti de sa nature éternelle. Jusqu'à la source. Elle revient ici et maintenant. Oui, c'est fait. La boucle est bouclée. Et donc, on va stabiliser, sécuriser et pérenniser. Oui. Bien, ça va être le moment des invitations. Donc, on va inviter ces deux filles avec les petits-enfants et les compagnons de chacune. Oui. Son mari. Oui.
Ses amis de cœur. Oui. Sa famille en général. Oui. Donc le groupe qu'elle appelle les belles âmes. Oui. Et le groupe donc des... Ouais, je me suis mal noté. Le corsaire. Ah, voilà, c'est ça. Le groupe des corsaires. Oui. Voilà, donc tout le monde est invité. On verra après pour ceux qui sont plus incarnés. Donc, est-ce que tout le monde est là? Et puis, tous ceux qu'elle a invités, hein, tous ceux donc, à nommer, tous ceux qui sont intéressés pour venir. Voilà. C'est pas limité. Oui. Elle invite tout le monde. Alors, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et leur propose d'en profiter, chacun pour soi. Est-ce que... Voilà, est-ce que tout le monde accepte? Oui. Est-ce qu'ils acceptent un coup de pouce avant de commencer? Oui. Bien. Alors, donc, pour chacun, on va éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archaïque. On élimine tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à ses corps et énergies d'origine. Qui c'est, Héloïse? Bon, regarde si Héloïse veut venir aussi. Oui. Très bien. Elle fait le boulot aussi? Oui. Très bien. Donc, elle est concernée. Donc, on élimine toutes les entités jusqu'au plan archaïque pour chacun d'eux. Tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, donc résonance, écho, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les 8, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est caché et secret, dans tous les différents états de conscience, etc. dans tout ce qui est connu et inconnu. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Chacun dans sa bulle christique. Secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Catherine jusqu'à présent pour elle-même, adapté bien sûr à sa propre situation. Oui. Et chacun continue donc sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui, c'est bon. Alors, on les retrouve tout à l'heure. Et maintenant, on va donc on va aller voir donc en tant que désincarné, sa sœur et son mari qui ne sont plus dans ce monde. Dis-moi, où est-ce que tu les vois, dans quel état ils sont? Ils sont dans l'astral, dans le moyen astral. Pas dans la même zone. D'accord. C'est sur des fréquences différentes, mais quand même dans le moyen astral, l'un et l'autre. Est-ce que tu les vois en difficulté? C'est comme s'il y avait une sorte d'état de flottaison indistincte. C'est assez trouble et assez flou. C'est comme s'ils étaient dans une sorte de zone de repos, quelque chose comme ça. Mais qui n'a ni entrée ni sortie. C'est limite un peu angoissant du fait qu'il n'y ait pas d'entrée et pas de sortie visible. Contacte leur soi supérieur respectif et demande-leur si il est nécessaire de les aider, si on est autorisé pour ça. Oui. Bien. Est-ce que tu vois qu'ils sont... Tu peux les contacter télépathiquement ou ils sont pas lucides, ils sont pas conscients? Non, ils sont dans une sorte de stase. C'est comme s'ils étaient... La conscience a été endormie, comme conservée ou mise en réserve pour plus tard. D'accord. Ils sont pas actifs. C'est toujours des mentes qui sont derrière? Oui.
Bien, on va les connecter tous les deux à leur essence. On va faire descendre une puissante énergie de conscience, d'information, d'amour. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour eux deux? Il y a plus brouillard. L'image est devenue nette. L'espace s'est agrandi. Mmh. Et il y a non pas une porte, mais un espace de sortie qui s'est matérialisé pour l'un et pour l'autre. Très bien. Alors déjà, qu'ils lisent qui nous sommes, qu'ils regardent qui nous envoie. Oui. Voilà. Et demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant. Est-ce qu'ils veulent continuer ou est-ce qu'ils veulent remonter directement à la source? Remonter à la source. Bien. Alors dis-leur qu'avant de remonter, il est nécessaire qu'ils récupèrent toutes leurs énergies qu'ils ont laissées sur Terre, quelles qu'elles soient. Oui. Bien. Maintenant, on va pouvoir les laisser monter. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire à Catherine éventuellement? Alors, il y a une énergie faite de soulagement et de remerciement qui va en sa direction. Ça tourne, ça fait une sorte de circuit. Il y a d'abord le soulagement et en première phase et le remerciement en deuxième phase. Et ils montent l'un et l'autre. Très bien. On les salue et ils continuent leur chemin. Oui. Nous allons continuer le protocole. Donc, regarde au niveau des liens concernant tous ces noms et prénoms, tous ces liens matriciels, nous allons les couper et dissoudre toutes les racines. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Regarde si elle a des liens toxiques. Oui. Alors nous les coupons également et dissolvons les racines. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang ou du sang prélevé, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtil et physique, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre pour le point zéro. C'est fait. Processus, donc tu sécurises tout ça. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Donc elle y porte une attention toute particulière. Activation de la partie divine dans son cœur. Oui. Qui déclenche la fontaine de jouvence que vous pouvez ressentir toutes les deux d'ailleurs. Oui. Imaginez-la bien et ressentez-la bien. Ça aide. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Donc, tu vas aussi stabiliser, sécuriser, pérenniser.
C'est fait. Guérison instantanée. Bon, je rappelle, c'est toujours expérimental. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Pour chacune des parties qui le nécessitent, elle fait descendre les informations, les énergies et les codes. Oui. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. C'est fait. Elle crée son baume de vie régénérant et elle l'enduit partout où c'est nécessaire. Oui. Donc elle fait bien toutes les parties qu'il y a à nommer, hein, les seins, etc., les yeux, enfin partout. Hein. Elle n'oublie rien. Et là, tu programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Nous allons regarder à présent son ADN. Avec ce qui a été fait jusqu'à présent, je veux que tu me dises combien est-ce que tu vois maintenant d'hélices présentes, connectées et activées. Il y en a 6. Combien sont connectées et activées? Alors, il y en a 4 qui sont connectées et activées et 2 autres qui sont connectées mais non encore activées. Est-ce qu'il est possible de le faire maintenant? Il est possible de faire une, mais pas l'autre. Elle se connectera toute seule, en fait. Alors, elle s'activera plus exactement, presque automatiquement, lors de la phase, vers la fin de la phase de métabolisation. Très bien. Alors, allons-y. On la connecte et on l'active. C'est fait. Bien. Qu'est-ce que ça va changer pour elle alors? Qu'est-ce que ça amène de plus, ces activations supplémentaires? Ça vient renforcer la puissance de son énergie vitale et son installation et sa circulation dans sa physicalité. Donc, ça vient faciliter ses conditions d'incarnation. Ça se déploie dans la multidimensionnalité et sur tous les plans. Donc, physique, vital, émotionnel, mental, spirituel. Ouais, ça se déploie. C'est comme l'installation, ça vient pérenniser l'installation de ses forces vives dans son incarnation. Très bien. Alors, on va sécuriser, stabiliser, pérenniser. Donc, elle enroule son ADN d'authenticité et d'énergie. Oui. Parfait. Dis-moi combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 7 et 13 mois. 7 et 13. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? La sensation de pouvoir enfin se poser, de pouvoir enfin se poser et profiter, bénéficier de l'instant présent, d'être incarné ici dans l'espace terrestre. Et ça provoque une sorte de légèreté agréable, même jusqu'à un léger étourdissement, mais c'est agréable. Très bien. L'ivresse d'être vivante, c'est ça? Oui, c'est ça, légère ivresse. Bon, ok. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce que... Il y a des retours... C'est comme des vagues de l'ancien ça se détache par morceaux. C'est comme des morceaux d'iceberg de l'ancien qui se déplacent sur l'océan démonté de la métabolisation. Alors, c'est pas aussi puissant que ça, mais ça fait des grands mouvements puissants. Et ça vient heurter les plaques, les phases
plate de stabilisation. Bien. Alors, à quoi est-ce que c'est dû ça? C'est le mental qui n'a pas organisé encore complètement les nouvelles conditions énergétiques. C'est littéralement les nouvelles conditions d'incarnation. Bon, on va aller dans le futur. Tu vas aller au moment où la séance est pleinement métabolisée, pleinement réussie. Je veux savoir comment elle se sent maintenant dans cette situation. Tranquille, apaisée, sereine, joyeuse, pétillante et pleine d'énergie. Bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir, d'en profiter. Et je veux qu'elle le ramène ici et maintenant dans sa physicalité, dans toutes les parties d'elle. Que son élémental, oui. Ses consciences cellulaires, son mental égo, toutes ces parties maintenant, pour eux, c'est du connu. Oui. Voilà. Et donc, Catherine qui nous écoute saura que s'il y a des remous, c'est parfaitement normal et que tout est déjà là. C'est qu'une question de patience et de confiance. Bon, tu connais les musiques, hein. Très bien. Alors, on va regarder maintenant au niveau de sa maison, son domicile. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu le vois? Il y a un immense vortex en dessous. Ah, on va regarder ça. J'aimerais que tu reviennes sur ce qu'on vient de faire là par rapport à son mental égo. Oui. On n'a pas sécurisé. Je veux que tu stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. Bien. Donc, on revient à cette maison. Donc, tu me dis qu'il y a un vortex. Bien. Est-ce que l'humidité dont elle parle dans sa cave, qui remonte donc par capillarité dans la maison, est-ce que c'est dû à ce vortex? Ou c'est deux choses différentes? C'est lié, c'est-à-dire que le vortex vient activer ce mécanisme de remontée d'eau. D'accord. Par capillarité. Oui. D'accord. Et c'est activé par l'énergie du vortex. Ok. Alors, à part d'activer l'énergie de l'eau, qu'est-ce que ça crée comme problème dans la maisonnée? Ça rend l'énergie instable et ça les fait baisser. Ça fait baisser en fréquence. Bien. Alors, nous savons que le vortex est une conscience. Oui. Donc, tu vas t'adresser à lui, tu vas lui demander s'il accepte de se déplacer ailleurs, qu'il puisse trouver un endroit où il sera tout aussi bien, sans être une nuisance pour des humains, pour des habitants. Est-ce qu'il accepte? Il y a quelque chose comme une habitude. Oui. Il est installé là depuis très longtemps. Et c'est comme si tu demandes à quelqu'un de déménager là tout de suite maintenant. Alors, ce qu'on peut lui proposer éventuellement, c'est de faire un essai, simplement. Après, il choisira. Hein. Donc, de choisir un endroit, il peut se déplacer. Et puis, si ça ne lui convient pas, il revient ici. Donc, oui, parce qu'il y a toujours, c'est comme s'il tournait en rond sur lui-même d'un point de vue énergétique. Voilà, il donc, a envie de changement. C'est ça, le fait qu'il soit installé là depuis longtemps, il y a cette curiosité de déployer de nouvelles énergies. Tu peux même lui expliquer que peut-être qu'il ne le sait pas, mais qu'il y a des endroits où il pourrait encore être bien mieux et qu'il va la trouver, il va trouver cet endroit. Oui, c'est bon. Et loin des habitations, bien sûr. Oui. C'est bon. Comment est-ce que tu le vois là? Il s'est installé en zone sous-marine. Donc, il n'y a pas d'habitation autour. Et c'est une expérience intéressante parce que c'est beaucoup plus puissant. Ça vient brasser
de façon puissante en énergie, ça, ça lui plaît. Très bien. Donc, du coup, il adopte son endroit? Oui. Bon. En tout cas, on va le remercier pour avoir accepté ce changement. Oui. Et nous allons le saluer. C'est fait. Comment est-ce que tu vois la maison maintenant? C'est beaucoup plus léger. Ça a remonté immédiatement. Au lieu que les énergies soient tirées vers le bas, c'est remonté. Mais c'est comme si tout était remonté, mais un peu dans le désordre. Très bien. Au niveau de l'humidité, est-ce que tu vois maintenant que ça change quelque chose? Il n'y a plus cette activation de remonter par capillarité. Mais il faut quand même installer une dalle. C'est ce qu'on va faire. Donc tu fais une dalle suffisamment épaisse et étanche. Voilà, et tu fais des évacuations pour que rien ne stagne en dessous. Et des évacuations qui vont à l'extérieur sans toucher aucune autre habitation. Oui, c'est fait. Bien, tu programmes la dalle pour être stable et indestructible. Oui. Bon, maintenant, elle va faire une puissante tornade dans la maison et elle va tout nettoyer sur tous les plans, dans tous les coins et réorganiser toutes les énergies. Oui, elle le fait dans la maison et sur le terrain aussi. Allez. C'est fait. Est-ce que tu as fait la dalle que sur la maison, que sous la maison, ou juste que tu l'as fait aussi sur le terrain? Non, elle est sur le terrain, sur l'ensemble. D'accord, parfait. Bien, elle installe partout, dans la maison et sur le terrain, des fleurs de vie, graines de vie, plaque Tesla et double lémiscate activée. Et tu stabilises et sécurises Pyrénées. Oui, c'est fait. Sur le compteur général qui est un Linky, tu fais un multicouche et tu le programmes. Oui. Tu installes par-dessus un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et donc, tu y installes fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Et tu sécurises. C'est fait. Sur tous les plafonds, tu installes un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie et produisent par ailleurs un puissant effet Niagara et un son, un parfum qui se module. Et tu sécurises. Oui, c'est fait. Sur le compteur d'eau, tu installes le filtre qui réinforme l'eau dans sa nature originelle et tu sécurises également, stabilise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. Oui. Elle le met dans une bulle christique, elle également, et les autres habitants s'il y en a et s'ils le veulent. Oui. On va programmer les protections de ces différents états de conscience. C'est fait. Nous allons relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie, dans la meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur sont des élémentales. Oui. Ces bulles d'intention et ces bulles de création. Oui. Fleur de vie, graine de vie, double lémiscate activée. C'est fait. Et autour le corps diamantin. Oui. Bien. On va sécuriser tout ça. Oui. Nous allons sécuriser toute la métabolisation du début jusqu'à la fin et sur tous les plans. Et toute la séance du début également jusqu'à la fin sur tous les plans. Donc tous les espaces-temps, toute ligne de temps, dans tous les plans de réalité et sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Chacune est protégée, inviolable, ininfluençable, indéviable. Oui. Tu sécurises tout. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait.
Il y a une onde puissante qui est là, présente, entre le soi supérieur et la partie physique. Cette onde, elle est en haute fréquence et sécurisée. Et le soi supérieur est en relation directe et fluide avec la partie physique. Est-ce qu'il veut exprimer quelque chose à sa partie physique ou lui donner des conseils? La partie physique est beaucoup plus puissante que ce qu'elle pensait. Maintenant que la connexion est là, il suffit qu'elle se connecte à cette connexion-là qui est extrêmement puissante simplement par l'intention. En lâchant prise, en faisant confiance, se connecter par l'intention dans la confiance. Et là, la connexion se fait, l'alignement se met en place et sa puissance monte, s'expanse. Très bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle flotte, elle est presque transparente, elle s'est libérée de toutes les raideurs, de toutes les lourdeurs. Elle est là en pleine lumière et donc presque transparente et légère. Comment tu vois sa partie subliminale? Elle est remplie d'énergie. Elle est en train de sécuriser, de vérifier et de sécuriser les canaux de communication entre la partie physique. Et c'est comme différents étages au niveau des parties plus subtiles et jusqu'au soi supérieur. Bien. Elle est très, très active. Nous allons donc les saluer, c'est à la fin de la séance. Oui. Donc les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version donc de Catherine, en ce jour de nouvelle naissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, chacun trouve son portail et sa cascade, et sous cet eau de très haute fréquence qui est composée de sons, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, l'altale flore de vie, graine de vie et double zygote activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. L'atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Alors, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Catherine avant la séance et quelle est-elle à présent? Elle était à 53, maintenant elle est à 167. Bien. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Très bien. 4 et 5. Tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Coucou, comment te sens-tu? Bien. Bien ancré? Oui. À nous, Catherine, tu peux remettre le son. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît? Oui, je disais que c'était merveilleux. Ce que vous avez fait, c'est... ça n'a pas de mots. Hein. C'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est une renaissance. Hein. Et puis bon, bah, c'est troublant de bah, tout ce qu'a vu Emmanuel, c'est ça. Il y a rien qui soit faux, Emmanuel. Tout ce que tu ah oui, c'est vrai. Tu veux dire ressenti... tout est vrai? Ah oui, 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 voilà. On va être plus que positif. Tout est vrai, oui. Ouais, oui, oui, oui. Mais vraiment, hein.
Et puis quand tu as parlé à la fin où il y avait cette onde qui venait, là j'ai eu plein de ressentis. Après, avant, je n'avais rien ressenti parce que je suis trop dans le mental. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Mais là, vraiment, j'ai ressenti l'énergie. Hein. Voilà. Non, mais c'est magnifique. Hein. Alors, bien entendu, Pascal, je vais te couper la parole. Je vais écouter, réécouter, réécouter. Elle m'empêche de me répéter. Hein. Je suis frustrée. mais tu sais, avec ça, maintenant, j'écoute tes petites vidéos tout en travaillant. Alors, je répète, je fais toujours le protocole. Non, mais c'est merveilleux. Non, mais merci beaucoup tous les deux. Vous êtes fantastiques. Hein. Je vous adore tous les deux. Merci à toi et merci à Emmanuel. Hein. Sans Emmanuel, rien n'est possible. Hein. Ouais, donc, c'est super. Voilà. C'est franchement super. Merci. Hein. Et merci aussi d'avoir accepté tout ce petit monde que j'ai invité à faire le travail aussi. Hein. C'est important. Oui, bien sûr, bah, évidemment, normal. Ouais. Voilà, donc bah, j'espère qu'on aura des nouvelles. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Tu connais la musique, hein. C'est ce que je demande. Donc, bon, ouais. Voilà. Tu m'autorises à publier la vidéo ? Oui, et puis pas flouter, voilà. Oh, génial, bon, super, merci à toi. Merci pour tous ceux qui vont te découvrir et forcément être en sympathie avec toi, forcément. Oui, ben voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée Catherine, bonne soirée et puis merci. À bientôt alors. À bientôt, très bientôt. Au revoir, bonne merci soirée. Pour ta permission en tout cas. Au revoir. Au revoir. Belle au bois dormant, au revoir.